Je dis, nous devrions parler de Moon Biden, yo, parce que pas oublier que nous avons, en fait, sous statut, yo, nous avons 2024. Et toujours rappeler que, basically, 2024, la guerre en pile incertitude. Et que, moi pense que si il y a des décisions à prendre sous statut, c'est sous 2024 là pour prendre. Je vais reprendre samedi à bien. Tout le monde Biden, à cause des incertitudes qui gagnent sous 2024. Allez, pour 2024, j'avais dit qui ça? Nous tout compte bail là. Élection novembre, où risque de gagner un Donald Trump 2025? Et c'est ça lié. Je bien dit où risque, puisque nous ne pouvons pas dit. Donc en ce sens, moi pense que dans 2024, là même, il y a des choix, je pense que tu as supposé faire. Pour éviter incertitude. Pour éviter incertitude. Ça veut dire bon, que pour 2024, la faut décider qui gens que ou pral gen un statut qui kaken bon pour plus de temps dans le pays. Bon, on gen doit dire bon, me fait rentrer là, c'est pour moi de mars 2024 la rentrer. Moi aller plus loin, même lorsqu'on me rentrer là en avril là, ou fait rentrer dans avril 2024 là, mon style quoi que 2024 là important pour ta retirer toute incertitude ça dans le sens qu'on dit minimum faut me faire pour me faire plus que 2 ans. OK, c'est ça dit. Et pour qui ça que me vienne parler de ça avant, c'est le fait que moi constater que si moi par exemple asile, faut qu'on avant rentrer dans bagage faut qu'on ça dit, faut qu'on ça asile là bien entendu. Mais nous constater que asile là c'est tout le monde Biden yo fait presque de manière expéditive. Ça me le dit pas là. Et pas oublier qu'ils sont bas au café online. Ou bien même côté au fait online là, même côté à YouTube. Bon, pour toute application, vous voyez ce bas. Même côté à tout, yo tout voyez appointement bas au métrique bas. Donc, ou bien impression, t'allez bien, que ça qui arrive que vous bayez une attention. T'allez bien, ça qui arrive que vous bayez une attention et particulier avec mon et chaîne humanitaire une parole cap fait asile. Donc il veut dire qui ça effectivement guys, soit fait analyse ou comprendre ça, you monde qui entre dans humanitaire une parole au départ li pi bien placé pour asile li ta approuvé puisque basically qui ça les sont monde qui parti quitter pays pour instabilité. Soit regarder les rapports de l'ONU, c'est ça m'a de nous comprendre là. Parce que vous avez demandé ou demandé asile. Et ça, vous connaissez. Vous connaissez la situation particulière pays, la situation générale. C'est un facteur qui fait asile ou approuvé. Il faut une classe sociale. Dans quel état pays ou la trouver. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce moment de la durée, effectivement, compte tenu de la situation particulière que Haïti trouve le jour d'un jeudi, ok? On a parlé de situation politique. Tout rapport, vous. Tout rapport décrit un chaos total. Tout rapport montre que en situation sociopolitique et intenable, insupportable, conditions de sécurité pratiquement on a dit un véritable cauchemar à tel point que nous connaissons ça fait actualité qui fait que des pays obligés à déplacer hélicoptère de fly en urgence pour airlift citoyen. Bon, est-ce que vous comprenez? Donc, ça t'a dit ça, même si vous comprenez là. À la vérité, yon moun kale justement dans l'interview avec base ça là simplement. M'di ou pas, pour 60%. Ou asile ou approuvé? Par contre, vous comprenez? Bien que asile a une dimension plus. Qui c'est dimension politique là, mais au départ ou parti avec un ensemble de conditions sur territoire là qui fait que asile doit être approuvé. OK, maintenant on monde a toujours dit que bon même pas aimer asile, bon une raison mon avancer c'est que il va pas retourner à Haïti et pas avant que asile là pas fini. OK, et bon, il y a un problème asile et peut-être on dit il y a un problème grave, peut-être grand pile monde qui qu'on a plein de ça, c'est le fait que dernière phase asile là, les femmes on ne comprend toute phase asile, l'autre dit phase asile on fait finger point, après ça on fait interview
on a dit au dîner ou interview, même les au dîner ou interview, dossier la pire, parce qu'il y a faut dire bah un juge, vous comprenez, nous avons une deuxième chance encore. Et que peut-être c'est la deuxième phase si on a mal parlé et qu'effectivement il est capable de dire que ou fait un asile frauduleux, qui c'est un bagage grave lorsque vous dites un asile frauduleux, des fois, lorsque vous avez un dossier, et même le résident, c'est un bon problème. Si vous dites que vous faites un asile frauduleux, mais tout dépend des gens qui parlent, c'est vous-même qui êtes condamné. Et tout. Et faut que comprendre, les gens parlent de arriver devant un juge, son bagage, vous avez fait 10 ans, vous avez arrivé là-dedans, vous avez dit en 2024, vous avez juste 2034. C'est ça, les pas, ils ne comptent plus même. Donc, imaginez que vous avez 10 ans ici depuis pouvoir fonctionner. Bon, c'est au coup de ça. Ça dépend de ce que vous venez faire dans le pays. Ya. Même si que 10 ans, on a dit que vous avez 10 ans ici, ce que vous venez faire, bien dit oui. Et ce que vous venez faire, parce que vous avez bien entendu son petit papier que vous avez ok? Et vous avez des gens pour vous, vous avez pour vivre tout. Ok? Vous avez des gens c'est pour préparer Chita. Et effectivement, on doit après 10 ans, on a décidé de retourner mes balais. Par contre, on est côté, moi, de côté de là. Pour des paix, bon, pas pour tout presse, bien entendu. Ok? Et qu'on a assez moyen pour continuer à vivre, je pense ça. Ok? Je pense que on a assez moyen pour continuer à vivre si on a 10 ans. Bien dit. Parce que soit vivre, et j'en bonne mon à vivre, bon, bon, ici, là, là. Et réalité plusieurs moun boy site là c'est travail dur bon travail dur pas de problème non mais c'est lorsque après 20 ans 30 ans moun a travaillé dur et puis bah moun n'a pas arrêté rien quitter système là boîte net il pas arrêté rien même il dit même grand moun il pas préparé pas rien on bon donc c'est ça qui problème là parce que tout simplement l'a suivre la foule. Vous comprenez? Là, si vous sentez que vous avez dit, mais ça vous fait, vous comprenez? Et prend l'eau sur la machine, prend l'eau de tous côtés, vous comprenez? Vive pour le monde. Et moi, c'est plus gros que le monde qui a fait. Et moi, c'est pour vous, justement, c'est pragmatique. En fait, pour tout le monde, justement. Moi, je suis un permanent résident. Là, je parle de monde qui se bat dedans, vous comprenez? Et puis, ça parle de philosophie, de vie tout. Même là, on a une philosophie. On a dit, vivre. Mais pas vivre, mais qui veut lire tout. Là, on vient dans le grand monde, il y a des gens qui ont travaillé. Là, on va dire, je travaille, je mange, je mets le grand monde dans n'importe quelle condition, on va réaliser. It just doesn't make sense. It just doesn't make sense. En tout cas, quand je souhaite que nous comprenions ça, je me dis, 2024, je pense que c'est le moment pour décider qui veut couvrir le ou même qui. Et gagner un papier de Zanamon. Et pas oublier tout, je pense que au cas font considération tout, nous tous gagnons rendez-vous pour le mois de juin là. Et capable de gagner des décisions qui peuvent prendre sous TPS. Je me rappelle que pendant 2024 là, presque vous me regardez. Et en pile TPS, yo re-extend, yo redésigné. Donc nous autres, nous espérons et que justement, que vous pourrez redessiner Haïti. Donc, rendez-vous assez pour le mois de juin, même penser que si pas grand-chose fait le mois de juin, il faut quand même analyser qui ça va bien pour faire. Puisque faut nous d'accord que l'élection qui va venir là, oui, il y a un pile d'incertitude et qu'on ne peut pas compter pour dire que Biden va le président, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Parce qu'il y a un pile d'incertitude.